Hey yo les gens, c'est DrakeSurvie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Aujourd'hui on va faire les petits défis de saison. Donc on va se mettre au goût du jour. Donc je vous mets l'image qui va s'afficher maintenant. Donc normalement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. À laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on va faire quelques petits défis de saison. Donc on va aller déjà, donc je ferai pas de coupure ou quoi que ce soit. J'essaierai de trouver des coins de TP assez proches des zones. Comme ça, ça sera fait. Alors je tourne cette vidéo, il est très 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 tard parce que ben j'ai pas pu faire autrement. J'avais des trucs à faire. Donc voilà. Donc on va faire avant tout, on va faire déjà le radar avec la Ferrari. Après, on ira faire le saut, donc avec la classique musclare. Et on va faire après une modérée supercar. On ira faire le double radar, donc la zone de vitesse, pour le plaisir. Et on verra si on peut faire autre chose, si j'arrive à faire autre chose, bien sûr. Et je ferai bien sûr d'autres vidéos pendant la semaine, parce qu'il reste 3 jours. Donc je vais voir, je ferai ça en plusieurs fois. Et donc, wali walou. Alors, donc on va se lancer d'ici pour le premier, donc le radar avec la Ferrari, donc Ferrari 998. Donc, hop, c'est parti. Donc objectif atteint, voilà, donc là normalement c'est atteint, voilà, donc là cette fois-ci on va se retrouver sur la colline de Plaisance. Alors bien sûr je vais me TP, j'avais trouvé déjà une petite zone pour se TP. Alors si vous avez par exemple des points jaunes comme les trucs comme ça, vous pouvez vous y TP. Alors bien sûr ça utilise de l'argent. Et c'est vrai que si, pour ceux qui veulent aller assez vite sur ces trucs-là, c'est vrai que ça peut être intéressant de les utiliser. C'est un peu dommage qu'on utilise de l'argent, parce que clairement, ils auraient pu faire clairement un autre système. Mais voilà. Je le sens mal. Quand tu commences à partir en cacahuète comme ça, c'est pas bon. Je suis un peu arrivé en mode gros bourrin. Heureusement qu'il y a le rembobinage, parce que clairement, quand vous commencez à tomber d'une colline et puis que vous pouvez pas remonter. Ah bah j'ai eu 3 étoiles. Pour la peine, j'ai eu les 3 étoiles ici. Cool. Donc on va se mettre au bout de la route. On va changer de tuture. Et voilà. Et faire le con, hein. À la place de faire correctement, d'arriver tranquillement. Non, non, t'arrives comme un bourrin. Hein. Donc, on va prendre. C'est la Chevrolet, la Corvette.
Donc, hop. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je l'ai réglé à l'identique au truc qu'il voulait demander. Trop sur le côté. Attends, il manque. Bon alors attendez, on va faire. Faut que j'arrive plus vite. Alors, heureusement qu'il y a le rembobinage, parce que le rembobinage. Oh là, elle glisse. J'ai mis du savon sous les pneus. Attendez. Pas possible. C'est combien la distance qu'il faut faire? Possible, il faut faire combien là? Alors, prends le seau, prends pas le truc qui est au-dessus. Prends 375. Bah, je l'ai pas réussi là. J'ai pas fait 375. Il me manque combien là? Ah, c'est chiant ça. J'arrive pas assez vite, c'est. Le truc c'est que il faudrait que j'aille plus sur la gauche, comme ça j'atteindrai. Faut que je prenne le panneau un peu plus. Ah ouais, je suis loin de mon objectif en fait. Très loin même, très très loin. Bon, on va faire autre chose. Parce qu'on va pas passer 15 jours dessus. Je le ferai moi de mon côté. Alors, on va aller. Il est où le double point? Y a des trucs, on n'y arrive pas, hein? Toutes les épreuves, ça je le ferai plus tard, c'est pareil, parce que c'est pas ça, c'est modern car 900. Alors modern car 900. Voiture. On va changer. Le modèle corps modèle musclé classique super voiture sportive percar modèle c'est modèle car super ouais. On va prendre celle-là
Normalement, c'est ça, hein, si je me suis pas trompé. Ouais, c'était modern car, super car. Ouais. On va se TP là. On va se TP là et puis on va se laisser après là où je ferai peut-être une course, je vais voir. Petite chose, la semaine prochaine, il y aura 2-3 petites choses qui vont changer. Cette semaine, donc comme vous l'avez vu, il y aura surtout, je vais vous faire surtout des voitures de course. Donc on va rester sur Forza Horizon. Vu que je serai pas souvent là, je ferai peut-être 2-3 petites choses plus tard. Mais j'ai des projets pour l'année prochaine, donc c'est pour ça que je ne fais plus trop de vidéos. Putain, jus, alors là, je te félicite, 237. Je sais pas si j'y arriverai, moi. T'arrives vite, hein, Tintin. Oh, Babo Diouvo, et tu ferais une wish? Ok, d'accord. Je suis parti je ne sais où. La voiture a décidé de... Je sais pas trop quoi faire. Ça m'énerve aussi, ça, ces bagnoles-là. Je sais pas pourquoi ils ont fait des savonnettes. Clairement, sur Forza, c'est que des savonnettes. Sur The Crew, alors on va me dire, ouais, The Crew, c'est pas la même chose que Forza. Oui, alors c'est pas la même chose. Sauf que quand on voit un jeu de voiture où tu glisses pas, bon, tu glisses quand même sur The Crew, mais pas un point où... Nouveau record. Ah bah je l'avais même pas fait. Et je sais pas si je l'ai réussi celui-là. Je pense pas. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Ah oui. Bon, ben ouais, bon. On va faire le tirage et puis on va se laisser là. Pas beaucoup de tirage, moi. Qu'est-ce qu'on a là? Eh, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé tous mes points, super, point de prouesse. Oh, j'ai passé encore un niveau. Bon, bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Je pense que cette petite vidéo vous aura plu. La semaine prochaine,
Cette semaine, je pense qu'il y aura surtout de The Crew, Forza. On va clairement se stabiliser sur ça. J'espère que pour ceux qui ont pris Forza Horizon, vous plaît. Clairement, moi, il me plaît bien, à part les quelques bugs qu'il y a et puis les bugs de connexion en multi, parce que clairement, en multi, c'est horrible. Sinon, moi le jeu, j'ai pas grand-chose à dire depuis que j'y joue. Donc j'espère qu'il y aura pas mal d'événements, j'espère qu'il y aura pas mal de petites choses qui vont sortir à droite à gauche. J'espère qu'il y aura des extensions au niveau des maps. Et puis bon, on fait coucou au train. Allez, à la prochaine les gens, c'est Drake Survie. Peace.